Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Bonjour tout le monde, de nouveau, 11h02, comment va l'ami Jean-Luc ? Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Mais il va plutôt pas mal le Jean-Luc Moreau, c'est les journées du patrimoine, donc je me sens concerné, je fais partie du patrimoine. Voilà. Et vous n'êtes pas en colère à cause de demain ? À cause de la journée sans... Alors, non, la journée de la qualité de l'air à Paris. Ah oui. Mais vous savez, comme la mairie de Paris n'est pas à une contradiction près, on fait une journée qualité de l'air, donc sans on voiture. Interdit aux véhicules normalement polluants de circuler, mais on interdit aussi aux voitures électriques ou aux motos électriques de circuler. Donc. Voilà, ça c'est fait, donc comment marcher sur la tête. Exactement. Vous appelez la mairie de Paris et vous prenez une formation rapide. Tout le monde va savoir faire ça. Allez, au programme en tout cas, jusqu'à 13h, nous allons parler du code de la route. Oui, l'examen change normalement pour plus de compréhension. On essaiera de vous expliquer ce que ça va changer. Vous allez peut-être pouvoir passer votre code, Laurence d'ailleurs. Alors ça dépend lequel. Hein, parce que... Bon, puis évidemment, la deuxième heure, comme sont les journées européennes du patrimoine aujourd'hui et demain, elle va être presque intégralement consacré aux voitures, mais pas que aux voitures, motos de collection. On parlera des 120 ans d'Harley Davidson. Ah, pour j'adore. Ceux qui sont sur la côte d'Opale, ils vont pouvoir aller faire une petite balade là-bas. En plus, normalement, la météo devrait être à peu près meilleure que dans le sud. On recevra un collectionneur de Bugatti qui sera avec nous en studio. Il va venir d'ailleurs normalement avec sa voiture, donc je pense qu'il y aura quelques photos. Dans le studio avec sa voiture ? Oui, dans le studio. Il va prendre de l'élan et il va rentrer dans le studio. Il va falloir ouvrir les portes. Moi, je suis ravie. Non, mais il va venir à la radio. Normalement, en voiture, je vois bien donc... de qui vous voulez parler. Voilà, la Peugeot 3008 également, on va parler de nouvelle génération. Exactement, la Peugeot 3008 et la nouvelle Peugeot 3008 a été présentée cette semaine. La grosse nouveauté, c'est qu'il y a 3 déclinaisons électriques. D'accord. On aura avec nous le chef de projet, donc il nous expliquera tout. Courant alternatif, courant continu. C'est ça. L'essai de la semaine, on va rester sur PSA, Stellantis. Ça Citroën. Ça s'appelle Stellantis. Stellantis maintenant. Ouais. Excusez-moi, mon bon monsieur, j'ai un peu oublié. C5 Aircross hybride 136, c'est quoi ? C'est l'hybridation 48 volts qu'on a déjà essayé sur le 3008. Alors, est-ce que c'est mieux que sur le 3008 ? On verra. Allez, je vous donne un petit indice. Oh, vu la tête que vous faites. Non, si, ça se marie très bien. Ah, ok. Ça se marie très bien. Non, ça se marie très bien avec la douceur du C5 Aircross. Ah, très bien. Et puis, puisqu'on parle des journées du patrimoine, on va parler du pneu, parce que ça aussi, ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Bon, l'émission, c'est moi qui me suis levée à 4h du matin, 2 jours de suite, pour aller accompagner tous les Bosch Car Service dans le sud de la France. Mais c'est vous qui avez l'addiction qui dérape. Non, bon, on parlera des pneus de collection, hein, qui équipent. Alors, pas que les voitures, on parlera des pneus de collection pour les voitures, les motos. Il y a de plus en plus de véhicules de collection, n'en déplaise aux anti-voitures. Et il y a de plus en plus de fabricants qui font des gammes complètes. Et on verra ça tout à l'heure. Ça coûte combien, tiens, un pneu de 2 chevaux, par exemple? C'est le pneu bien. De collection le plus vendu au monde. Ah bah ouais, je suis pas étonné. Et puisqu'on parle de patrimoine, on va aller se promener sur des remparts. Oui, exactement. C'est la 50e et 51e édition du circuit des remparts d'Angoulême. Donc si vous êtes dans le coin, ça a commencé hier et pendant 3 jours, c'est des festivités incroyables. Demain, il y aura des on peut pas appeler ça vraiment des courses, mais des démonstrations sur le circuit des remparts. Vous savez qu'il est en ville, c'est très très beau. Donc si vous êtes à proximité d'Angoulême, faites le déplacement, ça va vraiment être superbe. On en parlera en fin d'émission, on vous fera saliver. On vous donnera l'envie d'y aller. Voilà, et puis alors, je vais prendre 30 secondes de plus pour donner un énorme coup de chapeau à tous les garagistes de France. Hier, donc, j'ai présenté la grande convention et la plénière de Bosch Car Service, qui est un gros réseau. J'ai rencontré plein de garagistes. Le premier réseau mondial, même. Exactement, premier équipementier mondial, d'ailleurs Bosch, en première monte et ensuite en pièces détachées, entre autres. Mais c'est surtout que j'ai passé une soirée exceptionnelle à discuter avec tous les garagistes. Il y en avait qui arrivaient de Lorraine, d'autres qui arrivaient de la Guadeloupe, de la Réunion. Ça m'a replongé dans mon enfance avec mes cousins qui étaient mécanos. Et vraiment, bravo à tous ceux comme vous qui faites ce boulot de réparer nos voitures. Il y a un virage, il y a une révolution dans le monde de la voiture aujourd'hui et vos métiers sont un peu bousculés, mais tenez le coup, formez-vous aux nouvelles technologies et continuez d'être à notre service pour nos voitures. Voilà, gros coup de chapeau aux garagistes de France et d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, on y va ? Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
Qu'est-ce qui change dans l'examen du code de la route? On accueille tout de suite Sophie Fernandez, qui est de SGS Objectif Code. Oui, SGS, ils font plein de choses. Hein. Ils font du contrôle technique, mais ils font aussi passer le code, Laurence. Oui, je dis ça pour vous, parce que peut-être ça serait bien de le passer. Le repasser. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors ça m'intéresse d'autant plus que je voudrais passer mon permis moto, donc il faut que je repasse mon code. Ah oui. Ah oui, il faut passer le code, effectivement. Tiens, d'ailleurs, avant de commencer à parler des nouveaux... Ouais. Ah, tant mieux. Avant de parler des nouveautés de l'épreuve, hein, c'est depuis mardi que c'est en vigueur, à quel moment on doit repasser son code de la route? Bon, évidemment, quand on n'a pas encore son permis, on passe son code de la route. Mais ensuite, si je veux passer un autre permis, par exemple Laurence qui veut passer un permis moto. Elle veut une Harley, donc ça tombe bien, on a tout dans l'émission. Ouais. On a le code au début, on a la Harley tout à l'heure. Je savais que je pouvais compter sur vous. Est-ce qu'elle doit repasser son code? Oui, Laurence devra passer son code moto qui est en vigueur depuis 2020 et on l'accueillera avec grand plaisir. D'accord. Si je veux passer d'autres permis, je repasse systématiquement le code? Genre permis E, permis... Oui. Ah oui, vous devez repasser le code de la route, oui. À chaque fois. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Si on supprime mon permis, on est d'accord, je repasse le code aussi. Alors, pas la conduite, mais le code aussi. Vous repassez le code aussi, si vous avez une suspension de permis, vous devez repasser le code de la route. On aurait dû demander à Jean-Marie Bordry, qui avait perdu son permis. Enfin, je ne devrais pas le dénoncer à l'antenne, pardon. De réviser, hein, parce que souvent on y va avec un peu trop de confiance, parce qu'on est déjà conducteur depuis des années, et ça nécessite de réviser avant de venir passer le code. Bon, expliquez-nous. Alors moi, quand j'ai passé mon code à l'époque, c'était des salles d'examen, et c'était, on va dire, l'État qui faisait passer le code de la route. Aujourd'hui, SGS, on est d'accord, c'est une société privée, donc on peut passer son code dans le privé. Tout à fait. D'ailleurs, on ne peut passer son code que dans le privé. Aujourd'hui, depuis 2016, l'examen du code a été organisé par des organismes privés. L'avantage et l'idée de départ était de pouvoir offrir aux candidats une offre beaucoup plus large en termes de créneaux, puisqu'il y avait des délais d'attente un peu trop longs. Et aujourd'hui, vous avez, chez Objectif Code en tout cas, vous avez plus de 1000 salles en France qui vous proposent de passer code de la route, mais aussi le code bateau depuis l'année dernière d'ailleurs, et vous avez des disponibilités immédiatement. C'est un gros atout puisque un candidat qui souhaite passer son code peut venir aujourd'hui d'ailleurs, s'il veut passer son code aujourd'hui. On s'inscrit comment? On s'inscrit sur notre site internet objectifcode.com et on trouve plus de 1000 salles en France, donc permet d'avoir une offre très vague, très large. Je peux y aller vite fait cet après-midi alors, si je me dépêche. D'accord. Ça coûte combien? Ça coûte 30 euros PTC. Un tarif qui ne bouge pas, c'est 30 euros. Et en admettant que je loupe, je peux passer autant de fois que je veux? Et vous pouvez passer autant de fois que vous voulez, vous pouvez repasser, rester immédiatement s'il y a une place. Vous pouvez rester, si vous avez fait 6 fautes par exemple, le candidat très souvent retente sa chance, reste et se réinscrit et retente sa chance. Bon, alors depuis mardi, il y a eu quand même du changement dans cet examen du code de la route. On nous dit au niveau de l'État, c'est pour que ce soit plus compréhensible. Qu'est-ce qui change exactement? Alors, il y a plusieurs points qui changent, effectivement. L'objectif, c'était de moderniser la banque de vidéos et de photos de l'examen du code. On était toujours avec des R5? Non. Non, mais on n'était plus... Il y a longtemps qu'on n'est plus avec... Longtemps qu'on n'est plus avec le grand écran et le vidéoprojecteur avec les diapositives, quand même. Non. Mais parfois, des photos prises depuis des drones ont remplacé des images de synthèse. D'accord. Il y a ce genre de choses. L'objectif, c'était aussi de corriger le vocabulaire, de le rendre plus simple, d'éviter les questions pièges pour les candidats. Il y a un focus un peu plus important sur la signalétique, la signalisation, les règles de priorité. Donc, simplification du vocabulaire, comme je vous en ai parlé. Il y a aussi quelque chose qui est très bien, c'est-à-dire que maintenant, le candidat peut savoir si c'est une question où il n'y a qu'une réponse ou plusieurs réponses sont attendues. D'accord. C'est très bonne chose pour le candidat. Ah oui, et ça va donc être plus facile, on est d'accord.
faire plus facile, ça reste le code de la route n'a pas changé. Donc ça va être la compréhension va être plus facile. Maintenant, un candidat qui a révisé correctement, compréhension des questions sera plus simple, effectivement. Ouais. Alors le point qui est qui moi me chagrine, c'est qu'aujourd'hui on peut plus pomper sur son voisin. Enfin, moi je vais pas tricher, mais on peut plus pomper sur son voisin parce que il y a autant d'examens de code différents qu'il y a de candidats dans la salle pratiquement. Alors effectivement, vous avez une banque de vidéos qui est à peu près 1000 vidéos. Les candidats aujourd'hui dans une salle, il peut y avoir 10 candidats, ils sont chacun devant une tablette et le candidat d'à côté n'a pas la même série. Si vous copiez sur le voisin, vous êtes sûr de pas avoir bon. Alors. Oui, on est sûr de pas avoir bon, puisque dans la salle, il peut y avoir 10 séries différentes. Donc, ils ne peuvent pas copier entre eux, en tout cas. D'accord. Il y a plus ou moins de réussite depuis que c'est privatisé, le code ? Alors, effectivement, il y a une baisse du taux de réussite, non pas parce que c'est plus difficile. En fait, la baisse du taux de réussite vient du fait qu'il y a une offre plus importante en termes de quantité et de disponibilité. Donc, un candidat, alors pour ma part, hein, l'ayant passé il y a plus de 20 ans et l'ayant raté la première fois, entre le moment où je l'ai raté et le moment où j'ai pu repasser, il s'est passé plus d'un mois. Aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire, comme je vous ai dit, dans la journée. Et si vous ratez, vous pouvez repasser tout de suite, sans même vous être réentraîné. Conséquences sont que pour 30 euros, beaucoup de candidats tentent leur chance avant d'être prêts. Oui. Donc ils viennent tout de suite. Ils tentent leur chance, ils veulent avoir un petit aperçu de ce qui est le passage de l'examen. Et puis parfois, quand ils ont fait 6 fautes, au lieu de repartir chez eux et de retravailler, ils se disent qu'ils vont retenter tout de suite. Et du coup, ceci fait chuter le taux de réussite. Mais ce n'est pas l'examen qui est plus difficile. Sophie Fernandez, vous qui devez être SGS Objectif Code, que comme on peut préparer son code seul à la maison devant Internet, on n'a pas le prof qu'on avait avant. Il y a un côté coaching qui est plus présent aussi. L'effet Covid, confinement a accéléré cette partie-là où les élèves ont beaucoup plus tendance à s'entraîner via des plateformes Internet qui sont aussi proposées par certaines auto-écoles. D'ailleurs, elles proposent aussi un entraînement, des outils pour permettre aux candidats de s'entraîner chez eux. Mais effectivement, c'est moins impactant que d'être dans une salle avec un moniteur qui va vous guider. Je vais faire des économies à Laurence, donc ça ne sert à rien de vous soudoyer, vous n'avez pas, vous, les questions d'examen du code, on est d'accord ? Non, je n'ai pas les... Au revoir les... Non, alors on ne s'autorise pas, on n'a pas le droit de visionner les vidéos, on les charge dans le système, on ne les visionne pas, et nous n'avons pas les réponses. Donc, mon propre mari, ayant dû le repasser, l'a raté la première fois. C'est toujours l'histoire du cordonnier. C'est l'histoire du cordonnier plus mal chaussé. Merci Sophie, en tout cas. Merci à vous. Donc merci, on a compris, on pouvait passer autant de fois qu'on voulait le code. Ouais. Voilà. Et Laurence, à bientôt surtout. Ok, super. J'avoue que ça me gave un peu de repasser le code, mais il y a pas mal de choses qui ont changé, donc je vais être un peu plus intelligente que ce que je pouvais être hier, et je vais le repasser. On a Adil qui nous dit sur Internet, Jean-Luc, que pensez-vous du permis B+, pouvoir conduire un SUV, ceci est un projet. C'est un fake, on est d'accord. Oui, c'est un gros fake. Donc, je voulais vous le dire parce que. Bon, il y a certains SUV, c'est vrai, qui en charge peuvent dépasser 3,5 tonnes maintenant. Mais il n'y a pas de permis B+. Mais non, mais tout non, ça, c'est non, des fakes non, sur Internet. Ouais, faites attention à ce que vous voyez sur Internet parce que c'est faux tout ça. Sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et n'importe qui, des fois. Oh, pardon. Allez, un gros bisou en tout cas à tous ceux qui sont déjà avec nous. Il y a Valérie, il y a Adil, il y a Stéphane. Voilà, vous êtes Gustavo également là qui nous dit bonjour. Vous êtes déjà très présents. Rendez-vous sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et vous le savez, cette émission est également la vôtre. Merci à tous ceux qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Vous laissez vos messages, vous avez créé une communauté, vous échangez, c'est très très agréable. Et puis, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Allez-y, inscrivez-vous tout de suite, c'est Manu qui vous accueille. Une question à poser en direct, vous venez nous rejoindre. Une question à poser pas en direct, vous venez nous rejoindre. Bref, vous l'avez compris.
Oui, vous venez nous rejoindre, c'est votre émission. Un chèque à envoyer, vous venez nous rejoindre, on prend aussi l'argent liquide et on aura bientôt un terminal de carte bleue. Et c'est Julien qui arrive avec sa carte bleue ou son argent liquide à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Allô. Bonjour Julien. Oui, on vous entend. Oui, parfait, super. Vous êtes où ? Bonjour. À côté de Poitiers. Ah, j'aime bien, dans la Vienne. Exactement. Ouais. Bon, du coup, ça a dû marcher, hein. Julien qui a dû recevoir mon chèque parce que je passé il y a 15 jours, il y a 15 jours pour la Jaguar XK8. Ouais. Et mais là, je vais vous faire économiser 2500 euros en plus. Alors, mon ordre, Laurence. On vous écoute, Julien. Le 15 jours, c'était le V8 de 400 chevaux et aujourd'hui, c'est l'électrique de 136 chevaux. D'accord. Quand on fait en mode sport. D'accord. Du coup, ma femme, elle avait pris la DS3. Ouais. Électrique, idens. D'accord. Et, elle s'est arrêtée en plein milieu de la route, plein milieu d'une nationale. Ouais. Et donc, remorquage. Ouais, remorquage, concession. Diagnostic. Ouais. Donc, il cherchait une fuite de courant, apparemment. D'accord. Et c'est tombé sur compresseur de clim. D'accord. J'étais un peu étonné, mais bon. Et alors moi, là, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous a dit le concessionnaire. C'est là qu'on commence à rigoler. Facture, 2500 euros. D'accord, vous ne l'avez pas payé encore ? Non. Je suis vos émissions très régulièrement, donc je me suis dit, je vais appeler Jean-Luc avant. Vous avez vu, vous l'avez bien fait. 0826-300-300, faites comme Julien. Alors, il y a un problème sur l'unité de commande de toute l'électronique de la voiture. Et c'est le compresseur... Qui est mal géré et qui provoque une panne générale de traction du véhicule. Stellantis l'a parfaitement identifié. Et ce qui m'étonne, c'est que votre concessionnaire, vous êtes sûr qu'il est concessionnaire DS, hein ? Oui. Parce qu'il y a un rappel qui est fait hein, sur toutes les marques d'ailleurs du groupe, puisque c'est le même système partout, que ce soit Citroën, DS, Fiat, Opel ou Peugeot, elles ont toutes le même problème. Cette unité, ça s'appelle... Le VCU, il y a un rappel, il faut mettre à jour cette unité électronique et ça règle le problème. Il n'y a pas besoin de remplacer le compresseur de climatisation. Donc ça coûte pas 2500 Donc ça coûte pas 2500 euros, ça coûte zéro puisque c'est un rappel du constructeur. D'accord, donc même si le problème est déjà mis en vrac. Oui, non, mais la voiture, ça fait caler le moteur en pleine route. Ouais, c'est en plein milieu d'une nationale. Exactement. Donc, je ne comprends pas que. Alors, le rappel, il est récent. Hein, c'est juin de cette année. Mais parce que moi, j'ai reçu un courrier justement en fin août, on va dire. Ouais. Pour me dire, il y a un rappel sur votre véhicule. C'est ça. C'est pour corriger ça, pour mettre à jour le logiciel de gestion de toute la voiture, en fait. D'accord. Ouais. De toute la chaîne électrique du véhicule, puisque le compresseur, vu que c'est un moteur électrique, c'est un compresseur électrique, comme on a dans les véhicules hybrides, donc le compresseur de clim est électrique aussi. Voilà. Moi, j'essaye de pousser auprès du concessionnaire pour qu'il fasse la mise à jour. C'est même pas à pousser. Attendez, il y a une. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver même le numéro de la circulaire interne, etc., avec le numéro du rappel. Hein. Vous allez sur les sites de 50 millions de consommateurs, ils répertorient tout ça, vous allez le voir, 60. Le rappel. 60 millions. Ça évolue un petit peu. Ouais. Donc ça, vous allez le trouver. Il y a plus de 110 000 voitures qui ont été rappelées. Donc, si vous avez reçu un courrier et que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas eu de peau, vous êtes tombé en panne avant que la correction ait été faite sur votre voiture. J'ai reçu le courrier 15 jours avant qu'elle tombe en panne. Non, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que votre concessionnaire vous dise qu'il va falloir changer le compresseur. Alors là, franchement. Alors lui, il savait qu'il y avait un rappel, parce que du coup, quand on l'a fait remorquer, il a dit de toute façon, il y a un rappel. Et il vous annonce un remplacement. D'accord. Remplacement, compresseur de clim. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. 2500 euros. Oui, faut y aller. Hein. Disons qu'en roulant en Lexus, je suis pas trop habitué à avoir des factures de 2500 euros sur une voiture qui a 3 ans. Normalement, vous en avez pas du tout, vous. Hein. Sur Lexus, elle a 8 ans et j'ai changé les plaquettes et puis les trucs. Quoi. On va les faire participer à l'émission, hein, parce qu'on leur fait une pub quand même. Moi, les gens me demandent pourquoi tu roules avec ça. Je roule avec ça parce que j'aime pas être en panne, c'est tout. C'est ça, moi non plus. Alors sur votre DS, vous venez d'économiser 2500 euros en nous écrivant, c'est toujours ça. Oui, c'est pas mal. On fait comme la semaine, comme il y a 15 jours, je vous envoie le chèque. D'accord. Avec plaisir, Julien. Merci à vous deux. Merci, bonne journée. Bonne journée.
Allez, bonne journée. Et puis vous faites comme Julien, surtout. Hein, vous n'hésitez pas. Soit vous nous appelez au 0826 300 300 tout de suite, hein, puisque nous avons Manu qui vous accueille actuellement au standard. Soit tout simplement, vous avez la possibilité de nous écrire jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien votre question. On a reçu beaucoup de mails hein, cette semaine. On va avoir, c'est cool, au moins à peu près 3 ans pour tous vous répondre. Donc on est là au moins pendant 3 ans. Non mais enfin voilà, n'hésitez pas. Vous mettez bien votre question et vos coordonnées complètes qu'on puisse vous rappeler si vous voulez passer à l'antenne. Si vous ne voulez pas, je serai votre voix. Allez, à suivre, eh bien évidemment, on parle auto et juste après la question, nous allons essayer la Citroën C5 Aircross hybride 136 chevaux avec l'ami Jean-Luc Moreau. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va parler évidemment de prendre le volant avec l'essai de l'ami Jean-Luc, un essai que vous allez pouvoir retrouver intégralement sur la page YouTube de Sud Radio et en partie d'ailleurs si vous nous retrouvez actuellement sur la page Facebook de Sud Radio, puisque notre Bastien, notre réalisateur, va mettre quelques extraits de ce très bel essai filmé de l'ami Jean-Luc. Alors là, au volant d'une Citroën aujourd'hui. Oui, nouvelle version du Citroën C5 Aircross, c'est le cousin du Peugeot 3008. Qui a récemment reçu d'ailleurs la même mécanique. On avait fait l'essai avant les vacances. Une version hybride 136 chevaux qui vient combler le trou qu'il y avait entre les modèles essence et les modèles hybrides rechargeables. Plus accessible avec un prix d'entrée de gamme à 37 800 euros. Alors, rien ne change côté ligne. Le C5 Aircross a été restylé récemment. Il a plus de caractère que la première version, 4,50 m de long. La principale nouveauté, je vous l'ai dit, elle se trouve sous le capot. On a d'abord un nouveau moteur, 1 litre 2 PureTech. Pourquoi je dis nouveau moteur ? Parce qu'on a 40% des pièces qui sont nouvelles. En particulier, ce qui posait problème avant, on n'a plus cette fameuse courroie humide, voilà, courroie de distribution humide, on a une chaîne de distribution, un turbo à géométrie variable, une injection 350 bars et un moteur qui fonctionne sous ce qu'on appelle un cycle Miller qui permet d'économiser du carburant quand on est à faible charge. Une boîte robotisée, ça c'est nouveau aussi parce qu'avant les boîtes automatiques sur les modèles de Stellantis, c'était plutôt de la vraie boîte automatique, 8 rapports pour les derniers modèles. Là c'est une boîte double embrayage à 6 rapports avec, et c'est ça la grosse nouveauté, un petit moteur électrique intégré. Il fait 28 chevaux, il est alimenté en 48 volts et la batterie qui est toute petite, hein, 432 watt-heure utile, se trouve sous le siège conducteur. L'avantage, c'est que cette petite batterie n'empiète pas sur le volume du coffre, qui reste important, 580 à 720 litres. L'habitacle est strictement identique aux autres versions. Bon, la seule différence, on la trouve au niveau du compteur avec une petite animation qui décrit le fonctionnement du système hybride. Il y a 3 modes de fonctionnement, normal, éco, et sport. Bon, le principal atout de ce SUV Citroën jusqu'à présent, c'était son confort. On bénéficie déjà sur la finition hybride 48 volts des fameux sièges Advance Confort avec des densités de mousse différentes. Ça permet d'avoir un bon maintien latéral et puis une assise qui est très souple. Et au volant, on retrouve cette douceur, alors qui est aussi due à la suspension. Maintenant, les gens commencent à connaître le nom, c'est les doubles butées hydrauliques progressives Citroën. On est pratiquement au niveau de confort des suspensions hydropneumatiques de Citroën d'autrefois. Donc, c'est très bien. C'est une grande douceur. C'est la principale qualité de cette voiture. Et cette motorisation hybride 48 volts, elle se marie à merveille avec la philosophie de la voiture. Le fait est que dans de nombreuses phases de roulage, alors on peut rouler en électrique, mais sur très peu de distance. Par contre, on a souvent le moteur thermique qui est coupé jusqu'à 50% en ville. Donc, cette douceur due à la traction électrique fait que ça se marie bien avec les suspensions très souples. On peut passer d'ailleurs les ralentisseurs sans être secoué. Franchement, c'est vraiment bien pour ça. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'il y a un troisième embrayage qui désaccouple le moteur thermique dans les phases de roulage en 100% électrique. Et la transition, elle est parfois, on la ressent. C'est le seul truc. L'augmentation de puissance par rapport au moteur 1 litre de PureTech, elle est faible. Hein, 136 chevaux, on avait 130 avant. Mais on a
55 Nm de couple instantané en plus grâce au moteur électrique. Et plus que les performances, c'est l'agrément de conduite qui est vraiment meilleur. Alors, il y a une position sport, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, ça ne sert pas à grand-chose car le châssis, il est vraiment typé confort et ça n'incite pas à rouler sportivement. Plus, la voiture pèse 1600 kg. On cherche vraiment à profiter au maximum des économies apportées par l'hybridation. On a un frein moteur important, sauf si la batterie est pleine, mais le frein moteur électrique est très important, ce qui permet de recharger vite la batterie et donc d'avoir une batterie qui est souvent pleine. Quelques petites phases, comme je vous l'ai dit, de roulage en 100% électrique. C'est du full hybride mal fait, que ce soit en 48 volts. C'est sur la carte grise d'ailleurs du véhicule. Conso moyenne, on a fait une petite boucle d'essai. Ce n'était pas un essai très long. Pas d'autoroute à 130, mais j'ai fait 6,1 litres. On n'est pas très loin de la consommation normalisée, qui je crois est à 5,8 litres. Citroën dit c'est 1 litre de moins que la version PureTech. Et ça devient, je vous le dis franchement, la meilleure C5 Air Cross de la gamme, parce que d'abord, nouveau moteur PureTech, en plus l'hybridation apporte un vrai gain en agrément et un gain en consommation. Tout ça pour un prix qui n'est pas beaucoup plus élevé. Je vous dis tout à l'heure, ça démarre à 37 800 euros. La version haut de gamme que j'avais, qui s'appelle Max maintenant, était à 43 700 euros. C'est même un choix, je vais vous dire, plus pertinent que le 3008 avec la même autorisation. Pourquoi ? Bah parce que le C5 Aircross, sa qualité, c'est le confort, et il lui manquait une motorisation confortable. Alors, on l'avait sur les hybrides rechargeables, mais un tarif qui n'est pas très accessible. Donc là, vous l'adorez, quoi. Oui, non, j'ai trouvé ça très bien. Pour rouler au quotidien, c'est franchement une excellente voiture. Ils vont mettre, je vous disais, il y a le petit... la brutalité là, du désaccouplement du moteur thermique, mais ça, c'est un soft qui va être sans doute mis à jour prochainement. On parle vrai sur Sud Radio. Ce fameux C5 Aircross hybride 136 chevaux peut relancer un peu Citroën qui va pas très bien en ce moment au niveau des ventes. Pour moi, c'est l'exemple même de ce que devrait être Citroën, c'est-à-dire un véhicule qui offre un excellent confort de roulement, qui est une très bonne familiale et à un tarif accessible. Voilà, pour moi, Citroën, c'est ça. Tout est dit. Voilà, amis Citroën, si vous nous écoutez. Donc une Citroën qui est parfaitement dans le moule. Bon, génial. Alors très rapidement, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, et puis je vous rappelle, vous pouvez retrouver toute la vidéo complète sur la page YouTube de Sud Radio, vous êtes très nombreux à nous retrouver. Mais si vous nous suivez depuis le début de l'émission, on a parlé du code de la route et on a eu une réaction de Adil qui nous dit, est-ce que vous avez, que pensez-vous de ce fameux permis B+, pour conduire un SUV. Donc a priori, nous on a pensé que c'était un fake. Adil a réagi, je suis allée faire des recherches et a priori c'est une vraie proposition, une proposition de l'eurodéputée Karima Delli qui, écoutez bien, veut mettre en place un nouveau permis spécifique pour les conducteurs de véhicules pesant plus de 1,8 tonnes, le permis B+, pour lequel il faudrait avoir plus de 21 ans et avoir son permis B au moins depuis 2 ans. Ce qui exclurait le fait que les jeunes conducteurs, ce qui exclurait de fait les jeunes conducteurs. Quoi. Donc elle ne veut plus mettre ce genre de véhicule dans les mains. Ça, c'est une proposition d'une eurodéputée. Avant que ce soit dans la réglementation française, il va se passer quelques décennies. Mais vous en pensez quoi, vous, quelques millénaires, c'est n'importe quoi. On est d'accord. Est-ce que dans une proposition d'une eurodéputée, on pourrait rajouter de neuroneux, parce que j'ai l'impression qu'ils en manquent un peu. Des neuronés. Mais merci en tout cas à Adil de nous avoir alerté, et puis voilà, je suis allée faire quelques recherches. Merci, voilà, je vous l'ai dit, sur la page Facebook de Sud Radio, c'est une vraie communauté, vous êtes tous les co-animateurs dont parle Auto. Sud Radio, on parle Auto, et on prend le volant. Évidemment, vous nous rejoignez aussi pour poser vos questions au 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Et tout de suite, eh bien, on continue notre rendez-vous. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et puis évidemment, vous pouvez aussi nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées dans votre mail. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Allez, on va parler d'environnement avec, après avoir parlé de la Citroën C5 Aircross, on va parler de la cousine. La Peugeot 3008. Ouais, la cousine dont la nouvelle génération a été dévoilée cette semaine. On a avec nous Christophe Patois, qui est directeur du projet Peugeot i3008. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Donc, présentation en grande pompe, d'ailleurs. Au siège historique de Peugeot ? Oui, tout à fait. Nous avons décidé que la marque de présenter cette voiture sur le site historique de Sochaux. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle est complètement assemblée et construite à Sochaux,
que ce soit la nouvelle plateforme électrique et ses batteries, ainsi que la silhouette de la voiture. Donc ça, clairement, il y avait un sens de la présenter à ce show. D'accord. Alors, c'est la star du segment, hein, le 3008. Est-ce que ce n'est pas dangereux de changer, parce que vous avez pratiquement tout changé? Est-ce que ce n'est pas dangereux de changer autant un véhicule qui a un tel succès? Effectivement, c'était une vraie question. Oui, parce qu'on a les images qui illustrent, excusez-nous, oui, Christian, pour ceux qu'on qui ne nous écoutent pas à la radio, mais qui ont l'image, on voit les images, c'est vrai qu'il il a beaucoup de caractère. Magnifique. Oui, tout à fait. Donc c'était un choix au début du projet, soit rester sur le concept actuel et apporter des améliorations, avec bien sûr en ligne de mire un véhicule full électrique et clairement avec la marque et le style. Et au niveau de la stratégie du groupe, on a décidé de partir d'une copie blanche, que ce soit pour la silhouette et bien évidemment la plateforme. Et on a complètement conçu cette voiture autour de la batterie. D'accord. C'était un choix totalement assumé dès le départ. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas l'image, on a un véhicule qui ressemble à un coupé de côté, d'ailleurs, avec une calandre assez imposante, très droite devant, et un arrière fuyant, c'est ce qu'on appelle un fastback. Donc ça transforme vraiment la physionomie du 3008 par rapport à ce qu'il était avant. Et vous êtes même allé plus loin, parce qu'à l'intérieur, vous avez aussi totalement changé avec ce fameux high cockpit qui, cette fois, se transforme en cockpit panoramique. Oui, c'est ça. Donc sur l'intérieur, nous avons décidé de redéfinir le high cockpit. Donc nous avons un écran 21 pouces incurvé qui est complètement flottant et donc avec une lumière qui est dessous de manière à embellir et mettre en avant cet écran. Et ce qui est intéressant, donc on a une grande alcôve aluminium sur la planche de bord et sur les portes avec un alu brossé avec des motifs qui sont réalisés par un procédé laser. Et qui permet de changer les couleurs intérieures et l'ambiance. Et on est vraiment dans une ambiance sofa, avec des sièges confortables et des tissus sur la planche de bord. Donc on a vraiment voulu redéfinir l'intérieur, ce high cockpit, avec une ambiance comme à la maison, quoi, un salon. D'accord. La vraie grosse nouveauté, cependant, elle est sous le capot et sous le plancher de la voiture, c'est qu'il y aura carrément trois configurations 100% électriques. Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais au début, cette nouvelle i3008 est le lanceur de la nouvelle plateforme STLA Medium. C'est une plateforme qui va être utilisée sur différents véhicules de la gamme et de nos différentes marques. Mais le package n'était pas facile sur i3008 parce qu'on voulait vraiment conserver une voiture compacte, un 4,54 m, qui est très très bien situé par rapport à la concurrence, et surtout un empattement très court de 2,73 m. Et donc, ce qui nous a vraiment obligés à repenser complètement à la conception de la plateforme autour de cette batterie. Et donc, le challenge, c'était d'embarquer 98 kWh pour aller chercher 700 km. Donc, chose qu'on a réussi à faire. Et donc, dans ce même package, dans cette même batterie, on arrive à décliner une batterie de 73 kWh, donc qui sera à l'entrée de gamme, à 525 km d'autonomie. Oui, vous avez trois niveaux de puissance aussi, hein, sur l'entrée de gamme, 210 chevaux, 230 chevaux avec la grosse batterie, oui. 700 km, et puis une version 4 roues motrices, 320 chevaux, avec la petite batterie, entre guillemets. La question, c'est, alors au lancement, les batteries, qui fournira les cellules? Alors, bien évidemment, hein, nous allons massifier l'utilisation des batteries ACC avec la Gigafactory à Douvrin, avec Total Energy et Mercedes. Donc, cette Gigafactory se met en place progressivement. Donc, on va démarrer avec des batteries BYD, batterie chinoise, pour le lancement. Et donc, courant 2024, nous allons monter en puissance de manière assez forte sur la version ACC. Et puis, avec l'arrivée de la grande autonomie et du 4 roues motrices, clairement, les batteries ACC vont prendre le dessus assez rapidement sur les batteries. Donc des batteries françaises, mais avec des cellules fabriquées en France aussi. Oui, tout à fait. Donc ce qui est important aussi, vous me posiez la question tout au début, on est vraiment sur le made in France au global sur cette voiture. Hein. Donc le cadre de la batterie qui a un profil d'aluminium est soudé dans l'usine de Mulhouse. La batterie est assemblée donc dans l'usine de Sochaux. Et donc on a le moteur qui vient donc dans le bloc avant, qui vient de la JV avec Nidec à Trémery, et donc les batteries qui viennent de Douvrin. Donc vous voyez, on est vraiment dans un écosystème où on a cherché à massifier la production en France, de manière aussi à limiter le déplacement, la logistique de pièces assez lourdes. Et c'est, à la fin, c'est clairement plus efficient. Christophe Patois, oui. Ça sera, on est d'accord, ça sera la première voiture électrique 100% française. Je pense, effectivement, oui. Donc, grosse ambition sur le sujet. Et les commandes vont commencer quand?
Alors, les commandes, on pourra les prendre en novembre et première livraison en février. Bon, il n'y a pas d'idée des tarifs pour le moment, mais on sait que ça devient stratégique, en fait, hein, parce que les Chinois, on va le dire, ont cassé les prix. Il a fallu que les constructeurs occidentaux s'alignent. Les Américains aussi ont baissé les prix. Ça sera, vous êtes en train de réfléchir à un prix qui sera vraiment concurrentiel par rapport, allez, je vais le citer, à un Tesla Y? Évidemment, de toute façon, aujourd'hui, on va pas définir les prix à l'antenne parce qu'ils arriveront donc au mois de novembre, mais ça fait partie du cahier des charges. Bien évidemment, aujourd'hui, il est clair que les véhicules électriques sont quand même plus chers qu'un véhicule thermique et il y a beaucoup de concurrence. Donc, même si on offre un produit d'exception en qualité et de performance, le prix est important. Bien évidemment. Donc, vous nous avez laissé entrevoir qu'on pourra acheter une voiture électrique 100% française, y compris les batteries, à un tarif pas trop éloigné d'un Tesla Y. Rendez-vous en novembre pour avoir les prix. Les pneus aussi, alors vous avez Les pneus, c'est fastoche, ça sera français, j'imagine. Des pneus à plus, bien sûr, pour l'efficience. Mmh. Ce qu'il faut avoir en tête sur cette voiture, pour aller chercher 700 km, vous imaginez bien qu'on a dû reprendre plusieurs fois la copie, notamment autour du pack batterie. Nous sommes allés chercher vraiment tous les kilomètres, que ce soit sur l'aérodynamique de la voiture, les consommations énergétiques des calculateurs, les résistances au roulement au niveau des roues, les pneus, comme je le disais, on aura une pompe à chaleur. Et puis, un élément intéressant également, on a derrière le volant, vous aurez des palettes. Et donc, pour la première fois, donc, on lance trois niveaux de régénération, donc 0,6, 1,2 et 1,6 m² de récupération d'énergie, de décélération. Et ça, c'est vraiment un élément hyper intéressant. Je pourrais vous citer un exemple, parce que vous avez vu dans la presse qu'on avait lancé une flotte d'essais Camo Catch. Oui. Donc, ces voitures, aujourd'hui, ont parcouru quasiment 140 000 km depuis début juillet. Alors, excusez-moi, parce que j'ai pas tout suivi, là. Une flotte? Alors, on a décidé d'anticiper le roulage de nos véhicules de manière à accélérer la mise au point et finaliser notre mise au point avec des véhicules, avec des stickers faits par le design Peugeot. Le nom de la flotte, c'était Camo Catch. Mmh. Les voitures l'impression que c'est une œuvre d'art, quoi. Mais presque. En radio, je préfère qu'on explique tout, parce que des fois, on peut être un peu largué. Tout à fait. Donc on a vraiment utilisé ces voitures dans des conditions extrêmement sévères. Et je vous citerai un exemple. Là, on a fait un road trip cet été dans les Alpes françaises. On a quasiment récupéré l'énergie dans la descente qu'on avait perdue en montée en se mettant au maximum de régénération et sans mettre une fois le pied sur le frein. Ah, génial. Donc c'est vraiment très intéressant. Bon, on est impatients d'essayer. Bon, super, je suis impatient effectivement de prendre le volant. Ça sera quand les essais? Alors les essais, ça sera au mois de janvier. D'accord. Et donc bien sûr, on est en train de préparer ça. Et les tarifs au mois de novembre? Voilà, et les tarifs au mois de novembre. Bon, Christophe Patois. Novembre 2023 pour les tarifs. Janvier 2024. Alors, rendez-vous en novembre 2023 à l'antenne Eco. Super, mais en tout cas, il est très, très beau. Bravo à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Hein. Et on a pas mal de réactions, d'ailleurs. J'en profite, Christophe Patois, directeur du projet Peugeot i3008, sur notre page Facebook de Sud Radio. Beaucoup disent waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Déjà, côté design, vous avez vraiment bien réussi. On vous embrasse. Allez, merci à vous. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Bon week-end à vous aussi. On va continuer, évidemment, à parler auto avec vous, et dans quelques instants, c'est vous que nous allons accueillir pour votre question au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et d'environnement, présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on continue évidemment notre rendez-vous avant le journal de midi. On vous accueille sur l'antenne de Sud Radio, tout simplement pour que vous puissiez poser vos questions au 0826 300 300. Salut Thibault. Salut Dame Laurent, salut Jean-Luc. Bonjour Thibault. Comment ça va? Salut tout le monde, ça va? Un petit peu de trac d'être... Non. On est gentils. Et vous savez quoi? Quand vous allez nous dire ce que vous avez comme voiture, je vais vous raconter une histoire incroyable. Maintenant, il y a prescription. Alors allez-y. Bon, alors voilà, ma question, c'était, j'ai une voiture, j'ai la chance d'avoir une jolie Subaru, une Impreza 98, une Impreza GT Turbo. Et écoutez, ça fait une petite dizaine d'années que je l'ai, je m'en lasse un petit peu, on va dire, j'ai envie de changement. Ah, vous en lassez de la voiture? Je m'en sers pas vraiment beaucoup, c'est vraiment ma voiture du dimanche. D'accord. Voilà, et un petit peu envie de changement.
Et je voudrais savoir, selon vous, chaque fois que je la sors, bah écoutez, tout le monde me regarde, on me fait des signes, c'est sympa. Oui, en plus c'est discret, les GT étaient discrètes parce qu'elles n'avaient pas encore des ailerons, des trucs et des machins, d'où ma petite histoire. En fait, j'ai été le premier en France à rouler avec la voiture d'homologation. À l'époque, on faisait un essai pour Turbo, on était dans le sud de la France. On l'a vu en vidéo, je pense que tout le monde l'a vu. C'était une voiture blanche. Alors ce qu'on n'avait pas vu dans la vidéo, c'est que sur l'autoroute où je testais la vitesse maxi, donc un peu plus de 230 km/h, je suis passé devant, à l'époque, c'était des barbecues. Le joli barbecue sur la droite. Et il y avait une R21 turbo, parce que la gendarmerie avait des R21 turbo à l'époque. Sauf qu'une R21 turbo, même si elles étaient un peu boostées, ça roulait moins vite que la Subaru. Et donc, j'ai dit, bon, allez, je continue pied dedans. Donc j'ai continué pied dedans, je suis arrivé au péage de Aix-en-Provence. Là, il y avait des gendarmes partout, puisque la gendarmerie est juste au péage. Donc à chaque borne, il y avait un gendarme. Mais quand je ne sais pas à combien elle a été chronométrée, la voiture, c'était en légère descente. Ça se trouve, c'était 240. Donc, quand ceux qui étaient au contrôle ont indiqué au radar, aux gendarmes de l'interception, attention, véhicule blanc, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était, c'était la première, il n'y en avait pas en France. Donc, véhicule blanc, 240 km/h, les mecs, ils attendaient une soucoupe roulante, ils n'attendaient pas une Impreza qui ressemblait à l'époque à une Peugeot 306, vous voyez. Donc, je suis passé sous leur nez. Ils m'ont regardé passer, et bon, au moment où je partais, il y a la 21 turbo qui arrivait, mais bon, après, ils m'ont arrêté. Non, ils m'ont pas arrêté. Non, à aucun moment ils ont suspecté cette voiture de pouvoir rouler à cette vitesse là. Voilà, alors là, je me suis fait quelques ennemis de gens qui vont dire ouais, alors, mais bon, ce qui vient d'être raconté a été fait par des professionnels. Et puis, il y a 30 ans, donc voilà, il y a un peu prescription depuis. Mais bon, c'est une voiture que moi j'ai toujours adoré. C'est d'une efficacité incroyable. Bon, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, avec du super à 2 euros le litre, ça fait un peu cher. Ouais. Non, ça consomme beaucoup. Hein. C'est pour ça que ça fait un peu cher le plein. Thibaut ne l'a pas dit, mais vous avez refait la carrosserie suite à un dégât de grêle, parce que vous êtes carrossier. Bravo. Professionnel de l'automobile, monsieur. Oui. Voilà. Et vous voulez. Alors, est-ce que c'est pour remplacer l'Impreza que vous voulez une autre voiture ou c'est une voiture en plus de l'Impreza? Alors, un peu des deux. Je fais en ce moment une Golf 2 GTI aussi, pareil. Ouais. Et bon, alors le budget n'est pas le même, mais si je vends la Subaru, c'est pour m'acheter quelque chose de un peu plus conséquent au niveau budget, mais je ne sais pas quelle. Non, parce que dans le message que vous avez envoyé, vous dites que vous voudriez une voiture originale pour 5000 euros. Alors, s'il y a des travaux, voilà. Non, mais s'il y a des travaux, il n'y a pas de souci, je veux dire. Oui. Alors, pour 5000 euros, un truc avec un peu de pêche, il n'y en a pas 50 millions. Hein. Moi, il y a quelque chose, il y a un coupé que j'aime. C'est l'Alpha GTV. L'Alpha, ouais. Voilà. Ouais. Avec les moteurs Twin Spark, vous pouvez, pour 5000 euros, trouver une 2 litres JTS qui fait 165 chevaux. Donc, ça sera moins que la Subaru. J'aime pas la coupe, honnêtement. Vous n'aimez pas la ligne de la voiture? Non, elle est un peu bizarre. Ouais. Next. Bon, Honda Civic 5e génération. Mais c'est moins puissant, mais solide, hyper fiable. Hyper solide. Ouais. Hyper fiable. Une S1 avec le moteur 1.6 125 chevaux. Ça marche pas mal. Ça se trouve pour 4500 euros, le moteur incassable. C'est plaisant à conduire. C'est pas sport comme l'Impreza. Hein. Attention. Hein. Vous aurez du mal à trouver sport. J'aurais aimé rester sur un véhicule plus ou moins historique, dans le sens où on va pas être loin des 30 ans avec la Soub. La Civic, c'est 92. Hein. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est de 92 à 96. Donc, c'est la 5e génération de Civic. Dans le même état d'esprit, avec pratiquement le même moteur, il y a la Rover 216i coupée. Alors que moi, j'aime bien. Alors, c'est la philosophie inverse de la Subaru, mais c'est peut-être bien, justement, d'avoir deux philosophies différentes. C'est que vous avez une voiture avec une mécanique moins tonitruante que la Subaru, mais avec c'est un coupé qui est assez chic au niveau de la forme. Et surtout, à l'intérieur, le traitement des Rovers à l'époque était plutôt chic, avec du bois. C'est le contraire de la Subaru, qui est tout plastique dedans. Ça fait très rallye. Et là, c'est beaucoup plus chic. Bon, après, deuxième question dans la question. Ouais. Est-ce que il vaut mieux que je la garde? Ah oui. Est-ce que ça va continuer à monter? Évidemment, vous la gardez. Ah, évidemment, d'accord. Vous la gardez. Bah, bam. Oui, évidemment. On aurait dû commencer comme ça. Évidemment. Et ça vaut combien aujourd'hui?
ce type de voiture. Elle a combien de kilomètres, votre voiture ? Elle a 160 000 et le moteur a été changé quand je l'ai acheté, donc il y a une dizaine d'années. D'accord. Donc le moteur, il a combien ? Il a quoi ? Il était d'occasion, donc on va dire qu'il a 100 000, quoi. Ça va. Un moteur 100 000, non, c'est une voiture dont, si elle est en bon état, parce que vous êtes carrossier, ça vaut quoi ? Entre 15 et 20 000 euros, on est d'accord ? Je vois, c'est sur 17, voilà. Thibault, voilà, vous avez votre réponse. Gardez-la. Donc, si vous étiez venu nous voir pour faire un choix, eh ben, vous avez la réponse de l'ami Jean-Luc, mais maintenant, vous n'êtes pas plus avancé, vendra pas, c'est à vous de décider. Non, mais faites voir à votre copine la Revers 216i, là, je suis sûr qu'elle va la trouver vachement bien. Vous la gardez, la Subaru. Mon fils veut plus garder la Subaru. On vous embrasse, Thibaut. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, Thibaut. Super émission. Continuez. Passez un super week-end. Merci, bonne journée. Au revoir. On vous embrasse. Allez, à suivre le rappel de l'actualité. Puis vous, au 0826 300 300, vous savez, vous avez rendez-vous à midi aussi si vous voulez poser une question à l'ami Jean-Luc ou tout simplement échanger un avis sur ce qui s'est dit dans notre rendez-vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous voici arrivés dans la deuxième heure d'On parle auto. Toujours un grand merci à tous ceux qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Joli programme, et comme c'est la journée, enfin c'est le week-end patrimoine. Ce sont les journées européennes du patrimoine, on va s'intéresser au patrimoine auto et moto, puisque au même titre que les monuments historiques qu'on connaît, les vieilles autos, les vieilles motos, oui je parle de moi évidemment, ils ont une importance dans notre vie. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Mais complètement. Et pas que, et du monde bien sûr, mais en France particulièrement, puisque Cocorico, c'est nous qui avons créé la On a voiture. Inventé l'automobile. Voilà, on ne reviendra pas là-dessus. Amis allemands, on vous aime bien, mais c'est nous et que nous. Alors, on va aller du côté des Opal, des journées. On va aller sur la côte d'Opale. Voilà. C'est les 120 ans d'Harley Davidson. Donc, on va aller retrouver notre Tintin reporter qui s'appelle François A, qui est donc assez Opal Harley's Day sur la côte d'Opale. On va parler pneumatique, puisque l'automobile fait partie du patrimoine. Et les pneus, ça fait partie de l'automobile. On va parler de Bugatti avec un collectionneur qui est déjà avec nous en studio. Voilà, on a Philippe Jaillon qui est un collectionneur qui collectionne entre autres les Bugatti et qui est avec nous en studio. On aura plein de questions à lui poser tout à l'heure. On ira à Angoulême pour la 51e édition du circuit des remparts pour finir. Et on aura bien évidemment vos questions, mais tout de suite. 0826 300 300, retrouvons, comment vous l'avez appelé, notre reporter Tintin. Notre Tintin reporter qui se trouve sur la côte d'Opale. Vous êtes où, François Alain ? Bonjour. Bonjour, monsieur François. Salut les amis. Alors, moi, je suis effectivement à Ardelot, pas loin du Touquet. Il y a un festival absolument fantastique, puisque c'est les 10 ans du Harley Days de la côte d'Opale, qui est couplé avec les 40 ans du HOG, vous savez, les clubs spéciaux spécifiques aux propriétaires d'Harley Davidson. Je vais vous donner un scoop, François. Que bientôt, une certaine Laurence P. sera inscrite au HOG. Bientôt. Ah, chouette. Je veux passer mon permis que pour avoir une Harley. Ouais. Elle va nous rejoindre. Oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est les 120 ans de la marque en France, et donc Harley Davidson France a décidé que cet événement-là, les 10 ans des Harley Opel Days, était l'événement qu'il parrainait cette année pour célébrer les 120 ans. On a beaucoup de chance parce que le temps n'aurait pas dû être terrible, et pour l'instant, j'avoue que c'est génial, il fait beau, il fait chaud, c'est une manifestation ultra populaire parce qu'il y a je crois qu'il y a 15 000 motos attendues. 15 000 motos, mais il y a surtout 50 000 personnes qui risquent de venir parce que c'est une manifestation qui est libre d'accès. Oui, c'est gratuit. Donc, tout le monde peut venir, c'est gratuit. C'est une grosse concentration, en fait. C'est ce qu'on appelle les concentrations de motos, quoi. C'est énorme. Et il n'y a pas que de l'Harley, il y a évidemment quasiment que de l'Harley, mais il y a aussi d'autres motos. Et il n'y a pas de sectarisme là-dessus, je vois des marques autres, mais c'est vrai qu'il y a 90% de Harley. Et c'est une ambiance familiale qui est hyper sympa, on peut faire des baptêmes en Harley, on peut participer à une tombola où il y a une Harley évidemment à gagner. Il y a eu des concerts, je dis ça pour la fameuse Laurence qui peut... Laurence P, de Paris. Laurence P. De Paris, et il y a des concerts évidemment. Depuis hier soir, il y a eu des concerts avec Laura Cox, avec plein de choses. Oui. Ce soir, il y a le tribut de Springsteen. Enfin, il y a plein de choses vraiment passionnantes. Il y a évidemment un défilé, un concours d'élégance. Surtout, François, vous êtes dans les Hauts-de-France et le public des Hauts-de-France, les gens du Nord, enfin, je veux dire, l'accueil est juste exceptionnel. Et il fait beau dans le Nord ce week-end. Et en plus, il fait beau dans le Nord ce week-end. Et le terme n'est pas usurpé. Et je vois, pendant que je vous parle, je vois passer
une espèce de petite carriole en forme de combi Volkswagen avec deux gamins à l'intérieur qui sont tirés par leur papa au milieu des Harley. Enfin, c'est un spectacle vraiment franchement formidable. Je sais que Ford aussi est là parce que c'est aussi les 120 ans de Ford. Il se trouve que Ford et Harley sont nés la même année, en 1903. Donc voilà, il y a une connivence aussi entre les marques. Mais vous aussi, non? Moi je suis né en 1842. Monsieur François, parce que vous êtes le parrain de la manifestation, mais vous roulez en Harley, vous? Oui, moi j'ai à titre personnel un Sportster 1200 que je sors de temps en temps quand je ne suis pas en tournage, c'est-à-dire pas souvent, mais avec lequel je prends beaucoup de plaisir. C'est ma moto plaisir, à côté de mon scooter utilitaire pour tous les jours. C'est la photo qu'on a vue dernièrement sur vos réseaux sociaux, François. Ah. Oui, c'est vraiment ma moto. C'est la mienne. Je pose sur la mienne. Là, les gens de chez Harley m'ont prêté une Road King pour faire un peu de route, et c'est vrai que c'est très sympa aussi. Mais moi, je suis très très heureux de mon petit Sportster, et j'avoue que c'est ma petite Madeleine de Proust. J'adore cette moto, et non, franchement, il y a une super ambiance. Donc, si vous êtes dans le nord de la France aujourd'hui, vous pouvez venir, ça dure jusqu'à demain. Et sincèrement, voilà, c'est bon enfant, c'est familial, il y a des gamins, enfin, c'est vraiment, on peut y aller tranquille, c'est serein, c'est très bien organisé. Bah, c'est par le nord, bénévole. Une fois de plus, il ne faut pas oublier qu'une manifestation comme ça, ça tient parce qu'il y a tout un groupe de fans et de bénévoles qui aident à organiser cette manifestation, qui drive les trucs, qui répartissent les gens. Enfin, c'est hyper important et c'est vraiment un moment convivial. Et Dieu sait qu'on en a besoin de moments comme ça, surtout en ce moment. Et franchement, c'est voilà, il y en a qui ont des Harley look police américaine avec les sirènes. Enfin, c'est un spectacle. Est-ce qu'il y a vraiment des vieux modèles? Parce que là, on est sur les journées européennes du patrimoine. Il y en a qui sont déplacés avec des Harley. Il y en a qui sont déplacés. Alors, c'est vrai que la plupart, c'est des gens qui viennent de loin, il faut le reconnaître. Donc, c'est des Harley relativement récentes, parce qu'il y a quand même des immatriculations qui prouvent que les gens sont venus de toute la France pour cette manifestation. Puis, évidemment, des pays limitrophes comme la Belgique, qui n'est pas loin, donc il y a une forte proportion de Belges, qui ne sont pas non plus les derniers et les moins rigolos, il faut le dire, hein, au contraire. Donc, on rigole bien avec eux aussi. Et c'est des fans absolus aussi de la marque. Donc il n'y a pas énormément de vieilles Harley, mais il y en a quand même quelques-unes. Certaines sont sans doute arrivées sur plateau, parce qu'il y a quelques vieilleries, entre guillemets, mais vous savez que dans ma bouche, vieilleries, c'est plutôt un compliment. Donc voilà, non, c'est super, parce qu'il y a tous les modèles, toutes les versions, tous les coloris. Et comme c'est des motos qui sont très personnalisables, il n'y a pas de motos pareilles. Ouais. C'est le gros avantage, effectivement, des rassemblements Harley, c'est qu'on peut mettre toutes les motos les unes à côté des autres, vous verrez jamais deux fois la même. Ça, c'est extra. Et puis sincèrement, ce qui est vachement bien aussi, il faut le reconnaître, c'est qu'on a un petit peu ça dans l'univers de l'automobile, mais Harley est une marque ultra fédératrice. C'est un clan, c'est un club. Et oui, donc, c'est une religion, on pourrait presque dire religion, même. On rentre en religion, Harley-Davidson. Et donc, il y a un phénomène autour d'Harley-Davidson qu'il n'y a pas dans d'autres marques de moto. Il y a beaucoup de marques de moto très captivantes, mais Harley, là-dessus, ils sont évidemment au-dessus du lot, parce qu'il y a une espèce de phénomène qui est propre à Harley, qui est même plus puissant que les marques de voitures, même si sur certaines marques de voitures, il y a des communautés très puissantes. Mais je pense qu'Harley, de toutes les marques auto ou moto, est forcément la marque la plus fédératrice. C'est incroyable quand vous venez ici, c'est juste incroyable. Il y a la réunion qui a lieu à Morzine l'été, qui est un bon complément d'ailleurs, parce qu'en fait il y a le côté un peu Morzine à la montagne, qui est une manifestation formidable qui a lieu aussi. Ici, on est au bord de la mer, donc on est dans une autre ambiance. Il y a évidemment beaucoup de harlettistes qui sont les mêmes que j'avais croisé à Morzine, et c'est vraiment c'est vraiment hyper sympa. Vraiment, si vous avez le temps, venez ce week-end à Ardelot. Eh ben on arrive. Eh ben super. Très bien. Voilà. Merci François. On vous embrasse fort. Et merci beaucoup. Bisous à tous. Merci. Allez, juste après avoir parlé de la 10e édition des Opal Harley Days, eh bien on va parler de pneus. C'est à suivre. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et nous allons tout de suite accueillir Pierre-Emmanuel Moutenet, qui est dirigeant de pneucollection.com. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Jean-Luc. Bah écoutez, ça va, un petit peu sous un ciel gris ici pour ces journées du patrimoine. Ah, vous êtes où? Dans le Jura. On est dans le Jura. Malheureusement, le temps n'est pas terrible, mais bon. On fait le tour de la France. On était avec François Alain, là, dans le nord de la France, et maintenant, on est avec vous dans le Jura. Bon, c'est pas grave, parce que même si le ciel est gris, eh bien, on a du soleil dans nos cœurs, parce que c'est les journées du patrimoine. Tout à fait.
Pour vous, ça change quelque chose un peu? Vous êtes, on va le rappeler, dirigeant de pneucollection.com, donc tout est dans le nom en fait. Voilà. À l'occasion des journées du patrimoine, il y a beaucoup de collectionneurs qui vont sortir leurs voitures pour rouler. Pour sortir les voitures, il faut forcément qu'elles soient bien chaussées. Hein, c'est un marché qui progresse, le marché du pneu de collection? Oui, ben on ressent quand même pour ces journées du patrimoine un petit regain d'activité là, en ce début septembre. On voit que les gens ont envie de sortir leur voiture. Là, dans le Jura, aujourd'hui, il y a une exposition, un rassemblement de 205 là, à l'occasion de l'anniversaire de la 205. Donc, c'est sympathique tout ça. D'accord. Il y a plein de bons pneus pour faire ça. Oui, oui. D'ailleurs, est-ce que les manufacturiers ont relancé des fabrications de pneus de collection par rapport à il y a 20 ans? Est-ce que l'offre est plus importante? Oui, l'offre quand même a évolué. C'est lié au dynamisme du marché de la voiture ancienne. On a vu apparaître de nouvelles marques qui sont sorties de nulle part, en s'inspirant parfois de produits historiques connus. Donnez-nous des noms. Alors, il y a beaucoup de marques asiatiques qui parleront peut-être pas à grand monde, mais ces marques-là, essayent de reprendre un peu des dessins anciens. Après, il y a d'autres marques beaucoup plus anciennes sur ce marché, on va dire, du pneu de voiture ancienne. Je pense à Excelsior, à Blockley, à des marques comme ça, qui existent maintenant depuis quand même pas mal d'années et qui reproduisent des dessins un peu mythiques. On a avec nous d'ailleurs en studio, on a Philippe Jaillon qui est un collectionneur de Bugatti, entre autres. Philippe, vous équipez vos Bugatti avec quoi comme pneus? Mettez-vous bien près du micro. Actuellement, j'ai des pneus Michelin, avec le dessin d'époque, fabriqué par Michelin. Et c'est disponible, mais ils en font des séries une fois tous les quelques années, les 10 ans éventuellement. D'accord. Donc on peut pratiquement équiper tous les véhicules de collection aujourd'hui, Pierre-Emmanuel? Alors beaucoup, oui, on va dire qu'on arrive à trouver des solutions pour à peu près toutes les voitures, mais malheureusement pour ce qui est très très ancien, je pense aux pneus à talons des débuts de l'automobile, il y a certaines dimensions qui ont complètement disparu et qui supposent des transformations avec d'autres jantes. Ça c'est pour les véhicules les plus anciens, et on a des voitures aussi plus récentes et qui parlent un peu plus à tout le monde. Je pense à la Ferrari Testarossa des premières générations, pour lesquelles les pneus arrière TRX très spécifiques fabriqués à l'époque par Michelin ne sont plus disponibles, mais pour lesquels on trouve une solution de remplacement aujourd'hui avec des jantes et des pneumatiques d'une autre taille qui sont aussi confortables pour cette voiture. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup plus cher un pneu de collection par rapport à un pneu, on va dire, moderne? Alors, c'est relatif. J'ai toujours tendance à dire que, vu le nombre d'années de plaisir qu'on va prendre avec ces pneus-là, finalement, c'est pas si cher à porter au nombre d'années. c'est quoi le pneu de collection le plus vendu? Le plus vendu, alors chez nous, on vend énormément ce qui est pneus de chevaux, bien entendu, mais aussi le pneu mythique pour le Michelin X, pour la Citroën Traction. Oui, la Citroën Traction, le pneu de traction, c'est quelque chose qui, malgré toutes les années, ça reste quelque chose qui se vend énormément. Bon, de chevaux, il en reste encore beaucoup en circulation. Oui, ça vaut quoi prix, ouais. Un pneu, c'est du Michelin aussi sur la de chevaux. Voilà, exactement. Le vrai pneu de chevaux, c'est le Michelin X, bien sûr, en 125-15. Ça vaut environ 90 euros l'unité aujourd'hui. C'est un produit qui a un prix très très raisonnable, moi je trouve, par rapport à sa qualité. Et si on le compare aux produits asiatiques qu'on trouve en face, il est quand même un tarif très sympa parce que on a le pneu avec toutes ses caractéristiques originelles et surtout sa tenue de route, sa longévité. Ouais. Est-ce que c'est un bon calcul d'ailleurs de mettre des pneus, je vais dire exotiques, pour pas dire sud, qui viennent du sud-est asiatique, sur un véhicule de collection? Alors, il en faut pour toutes les bourses, pour tous les budgets, c'est certain. Tout le monde ne peut pas mettre des pneus à 100, 200 euros. Mais il faut tenir compte, moi je dis toujours, de tous les éléments, c'est-à-dire la durée de vie du pneumatique, c'est très important. Sa fiabilité, le look originel, si on veut être vraiment puriste, ça finit la voiture, le pneumatique. Ouais, c'est vrai. Quelles sont les marques aujourd'hui, d'ailleurs, qui proposent la plus large gamme de pneus de collection? Je serais tenté de dire que c'est les marques qu'on connaît, les marques iconiques, comme Michelin, Pirelli, qui ont des catalogues classiques quand même très fournis et qui continuent d'ailleurs de développer régulièrement des nouveaux produits. D'accord. On peut équiper, parce qu'on parlait là, quand on dit voiture de collection, il y a l'entre-deux, les youngtimers aussi, on arrive à les chausser correctement, parce qu'il y a eu plein de dimensions un petit peu exotiques là pour le coup sur certains youngtimers.
Ah oui, tout à fait, oui, oui. Il y a eu quelques dimensions assez originales qui ont disparu du fait que ces voitures n'étaient plus très, très aimées, on va dire. Elles ont traversé un peu un creux dans la vague. Et là, aujourd'hui, avec l'engouement qu'il y a autour des youngtimers, les manufacturiers redéveloppent pour ces voitures. Ils ressortent des pneumatiques. Donc, du côté pneus, on est à peu près tranquille. On restera bien chaussé pendant un bon moment. Ça devrait aller, je le souhaite en tout cas. Et puis on peut retrouver bien sûr nos pneus favoris chez vous, dans votre belle collection. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, à très bientôt. Merci Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Moutenet, dirigeant de pneucollection.com. Bon week-end. Bon week-end à vous. Merci. Allez, à suivre, parce que là, on en a très 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 envie. On va vous donner la parole d'ici quelques instants au 0826 300 300 pour poser vos questions. Il y a 2-3 questions d'ailleurs plutôt sympas aussi sur la page Facebook de Sud Radio. J'espère que j'aurai le temps de les partager avec vous, l'ami Jean-Luc. Et puis, puisqu'il est avec nous, impatient avec sa dame qui l'a accompagné, de partager sa passion de Bugatti dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Vous avez quoi comme Bugatti? C'est juste pour demander à notre réalisateur de chercher deux images quand même qu'on puisse illustrer. J'ai une Bugatti type 38A de type 1927, voilà. Livrée neuve au Mozambique. Oula, ouais. C'est toujours des histoires extraordinaires, Bugatti. Quand vous les raconterez après. Et une 55, je crois. Et alors, l'autre que je suis en train de finir de remonter est un type 55. Très bien. 1933. Voilà. Super. Bon, allez, on va chercher tout ça. Merci beaucoup. Allez, pause. Et puis, dans quelques instants, on va commencer par vous donner la parole au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et avant de rencontrer, puisqu'on a commencé un peu hors antenne, de se laisser raconter les belles histoires de Philippe Jaillon, collectionneur de Bugatti, la fameuse maison de Molsheim qui existe depuis 1909, je crois, Bugatti. C'est la première, alors c'est le baron de Dietrich qui a fait venir Ettore Bugatti en France pour construire... Voilà, pour construire sa première voiture de Dietrich, puisque à l'époque, de Dietrich, ils ont été très en avance sur plein de choses, sur les trains, sur plein de trucs, et sur l'automobile, ils étaient en avance. Et donc, Bugatti a conçu une voiture pour de Dietrich, et après, il a volé de ses propres ailes. Alors, on en parle dans quelques instants, mais juste avant, on a Florian qui est avec nous au 0826 300 300 pour sa question et son échange avec nous sur Sud Radio. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Comment ça va? Eh bien écoutez, très bien, très heureux d'être au téléphone avec vous. Eh bien nous aussi, vous êtes où? Je suis au Pont, c'est juste à côté d'Angers. Non, on aime bien Angers. Ouais. Il y a du bon vin. Oui, il y avait beaucoup d'eau cette semaine. J'étais sûr que Laurence allait dire ça. Ouais. En plus, c'est marrant, ma sœur est passée sur l'émission Une Vino il n'y a pas très longtemps. Ah ben voilà. Numéro également. Eh ben super. Il y a eu beaucoup d'eau cette semaine, plus que de vin à Angers. Hein. On a vu les images. Ouais, bon. C'était un peu chaud. Alors, on vous écoute pour parler auto. Eh bien j'ai une question sur les carburants de synthèse. Parce que je crois savoir que c'est un carburant qui a été inventé il y a un siècle. Il y a vol. Qui coûte très cher effectivement à produire, qui serait vendu aujourd'hui 10 euros le litre s'il était vendu. Donc ma question c'est comment est-ce qu'il est fabriqué? Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'il serait utilisé aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que l'Allemagne seule s'en intéresse? Est-ce qu'il peut être utilisé dans toutes les voitures depuis 1905, aussi bien dans la Bugatti que dans la Fuego diesel de Jean-Luc? Oui, alors, effectivement, alors quand vous dites 100 ans, ça tombe pile parce qu'en fait, le procédé Fischer-Tropsch, qui a été inventé par M. Fischer et M. Tropsch, date de 1923. Ah oui. Donc, pourquoi est-ce que les Allemands ont décidé de faire du carburant de synthèse? Il ne vous a pas échappé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont envahi des pays qui n'avaient pas forcément du pétrole et que, pour eux, ça devenait stratégique. Ils avaient du charbon, donc le Fischer-Tropsch permet, à partir du charbon, de fabriquer de l'essence ou du gasoil. Donc, les carburants de synthèse, aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça, mais on s'en rapproche. Le carburant de synthèse dont tout le monde parle depuis quelques mois, il est fait à partir de CO2 et d'hydrogène. Et à partir du moment où on dit le mot hydrogène, il y a forcément un truc qui coince. Parce que pour faire un carburant vert, il faut partir d'hydrogène vert. Et pour, alors oui, ça existe encore pas, on espère qu'un jour il y aura effectivement des gisements d'hydrogène natif qui pourront être exploités de façon industrielle, mais pour l'instant ça n'existe pas. Mais pour faire de l'hydrogène vert, il faut utiliser de l'électricité verte, donc des éoliennes, du solaire, est-ce que le nucléaire en est ou pas, c'est en discussion en Europe en ce moment, et on produit donc l'hydrogène avec... l'électrolyse de l'eau qu'on a tous expérimenté à l'école. Le problème, c'est que le rendement
n'est pas très bon et que ça coûte très cher surtout. Fabriquer aujourd'hui un kilo d'hydrogène vert, c'est environ 11 euros. Ouais. Donc on se doute bien qu'avec un prix de départ de l'hydrogène qui va être très cher, d'autres transformations après qui sont coûteuses également, on va avoir du mal à avoir un carburant qui va pouvoir rivaliser avec un carburant pétrolier. Bon, les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'avaient pas le choix, donc ça coûtait ce que ça coûtait, mais il fallait fabriquer du carburant. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Les Allemands, toujours eux, parce que c'est eux qui sont en première ligne, puisqu'ils ne veulent pas que, en fait, la réglementation de 2035, qui devrait interdire les moteurs thermiques, s'applique en totalité. Ils disent, oui, mais si on arrive à faire un carburant qui est vraiment neutre en CO2, laissez-nous la possibilité de continuer à faire des moteurs thermiques. C'est bien, parce qu'ils ont mis le pied dans la porte, ça évite de la fermer. Dans l'état de l'art aujourd'hui, fabriquer du carburant de synthèse, je vais vous donner un prix, vous allez tomber. Asseyez-vous, tous ceux qui nous écoutent, asseyez-vous. Alors, les Allemands disent... Garez-vous si vous êtes au volant de votre voiture, parce que... Voilà, les Allemands disent que ça pourrait coûter aux alentours de 2,50 euros. Mais 2,50 euros à objectif 10-15 ans. Pour l'instant, on est... taxes. Voilà, exactement. Pour l'instant, on est loin. Il y a une société britannique qui s'appelle Zero Petroleum qui a mis sur le marché le premier bidon de 20 litres de carburant de synthèse. Vous êtes assis ? 50 000 livres, ça fait 2825 euros le litre. Alors... La réponse à la dernière question que je vais vous posiez. La petite voiture thermique. La réponse à la dernière question que vous posiez. Est-ce que ça marche dans le moteur même de la Bugatti? Oui, parfaitement, parce que c'est des très bons carburants qui encrasseront moins les moteurs, qui ont même un taux d'octane qui est supérieur. Donc ça marche très bien même dans une vieille voiture. Mais on se rend bien compte que aujourd'hui, non seulement la production n'est pas forcément vertueuse, mais en plus, les tarifs sont complètement dissuasifs. Alors même avec l'effet d'échelle, on n'arrivera jamais, sauf à avoir un pétrole qui passe les 200 ou 300 dollars le baril. Ça ne va pas être tout de suite. Donc, c'est une porte ouverte, mais pour le moment, c'est plutôt un beau rêve que quelque chose de réellement applicable à court terme. Mais en même temps, moi, je me dis une chose, c'est que le premier monsieur qui a eu dans sa tête le rêve de faire une voiture, il l'a faite, et puis maintenant, aujourd'hui, donc en fait, c'est toujours de belles... La technologie a toujours apporté des réponses. Il y a des choses qu'on a dit... Continuons de rêver, et puis... Il y a des choses qu'on a dit impossibles de nombreuses fois, et qui ont fini quand même par se réaliser. Je suis assez d'accord avec vous. Ce sera la philosophie du jour. Exactement. Donc, carburant de synthèse, est-ce que c'est viable ? Oui, mais pas pour le moment, parce que économiquement, c'est pas possible, et parce que la fabrication, pour l'instant, n'est pas aussi vertueuse qu'on veut nous le faire. Bon, Florian, quand on continuera de faire l'émission, parce que là, on va devoir arrêter dans 10 ans, on aura peut-être des nouvelles à ce sujet-là, on vous rappellera. Ça marche. Et pour les diesels aussi, ça marcherait pour les diesels. Oui, parce qu'en fait, le fameux carburant là, qui est issu de CO2 et d'hydrogène, il y a d'autres transformations par la suite, et on peut faire soit de l'essence, soit du gasoil, on peut faire tout ce qu'on veut derrière. Bon, super. D'accord. Florian, merci d'avoir posé la question. Merci beaucoup. Voilà, c'est vous qui faites l'émission, j'adore moi. Non, puis c'était un petit peu historique aussi, c'est super intéressant. C'est super intéressant en fait. Florian, merci beaucoup. Merci Florian. On vous embrasse, bon week-end. Merci, à très bientôt, au revoir. Merci. Allez, on ne le tient plus parce qu'il a envie de nous parler et nous aussi d'ailleurs, on a envie de l'écouter. C'est dommage surtout que vous n'ayez pas la radio pendant la pub parce que vous avez loupé quelques petites histoires sympas. T'as peut-être pas la radio pendant la pub, toi qui écoutes Sud Radio, mais dès que tu te remets sur Sud Radio là juste, eh bien tu regardes sur la page Facebook de Sud Radio. Alors faut descendre un petit peu pour nous retrouver en direct et vous allez rencontrer un homme qu'on a eu envie d'inviter, c'est Philippe Jaillon, il est collectionneur de Bugatti. Il a des histoires à nous raconter sur ses Bugatti mais aussi sur des Harley parce qu'il a eu sa première en 60. Non, on a dit qu'on ne parlait pas des Harley, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Si, je veux qu'on parle de ça. Il a été un des premiers à acheter une Harley en France. Donc voilà. Allez, c'est tout de suite, c'est sur Sud Radio, dans quelques instants. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et dans quelques instants, on va parler de la 51e édition du Circuit des Remparts d'Angoulême. Mais avant cela, eh bien ça y est, il est là avec nous, Philippe Jaillon, collectionneur de Bugatti. Mais on va Philippe nous a dit d'ailleurs qu'il pouvait parler toute la journée jusqu'à soir. Donc ce que je propose, c'est qu'on décale toutes nos émissions. On les annule. On annule la Coupe du Monde de rugby. Non, alors Philippe Jaillon, on vous a rencontré, on va faire un petit hommage à Jules avec qui j'ai travaillé cet été sur les routes de l'été. Et Jules, un jour, m'a dit, tu sais, mon papy, il est passionné de Bugatti et il a des Bugatti qu'il refait lui-même. Je restaure, je reconstruis et j'en suis à la 5e, là. Que je n'ai pas toutes gardées.
Ah oui. Alors aujourd'hui, vous avez quoi et vous roulez avec quoi? Parce que alors, hier, vous étiez sur la route en Bugatti. J'étais sur la route, j'ai fait 800 km en avec 3 jours. Avec Bugatti? Ah ouais. Oui, oui, oui. On se retrouve avec des amis à Nevers. De Nevers, nous partons en groupe. Il y avait une dizaine de Bugatti. On part en groupe par les routes de campagne et on s'est arrêté dans le domaine de la Brenne, qui est un site protégé où il y a des chambres d'hôtes et on se retrouve là tous les ans. Et après, le lendemain matin, on repart direction Angoulême pour le circuit des remparts. Ah, trop bien. Mais comme j'y suis beaucoup allé, j'avais pas envie d'y aller. Oui, mais vous aviez envie de venir nous voir en plus, donc vous ne pouviez pas être à Angoulême. Il fallait que je rentre, donc j'ai fait demi-tour. Alors, je voudrais qu'on parle de vos Bugatti. Et ça a commencé quand, cette histoire de passion? Ça a commencé à la fin des années 50. Il y avait encore des Bugatti dans les rues de Paris. Et quand par hasard, on passait devant une Bugatti, on regardait, j'avais un copain, parce que ça intéressait beaucoup. On avait dans les 15, 16, 17 ans, et on voyait ces autos. Et par chance, on en entend une qui démarre. Ça faisait un bruit extraordinaire. Des moteurs à 8 cylindres, n'est-ce pas? Arbre gamme en tête, ah, c'est incroyable. Et on voit la Bugatti partir, là, on entend un bruit de boîte de vitesse. Parce qu'elles font beaucoup de bruit de boîte de vitesse. J'adore, il fait les sons en même temps. Avec mon copain, on se dit, il faudra qu'on en ait une un jour. Mais c'était déjà des vieilles bagnoles à l'époque. Hein. C'était des bagnoles qu'on commençait à moins casser. Mais beaucoup ont été cassées. Ouais, début du 1900. C'est l'époque où on avait envie de rouler en bagnole dès qu'on avait le permis. Ouais. Donc on allait dans les casses, puis on trouvait ce qu'on trouvait et ça marchait jusqu'au coin de la rue. C'était l'époque d'une panne par jour. Voilà. Donc on se met à la mécanique. Alors, il y a une légende qui dit que les Bugatti, ça valait rien à l'époque. C'était vrai ou pas? C'est pas tout à fait vrai. Début des années 50, oui. À partir de 55, 56, c'était déjà un petit peu différent. Et à partir de 1960, il y a eu ce qu'on a appelé l'effet Schlumpf, c'est-à-dire un grand collectionneur. Oui, les frères Schlumpf en Alsace qui rachetaient toutes les Bugatti possibles. Pour des prix extravagants. Oui. Mmh. Ouais. Pour situer les choses, en 1960, j'ai fait mon service, je rentre de mon service et il fallait que j'ai une voiture pour travailler. Service militaire, hein, pour ceux qui n'ont pas. Service militaire, oui, Algérie, mais sans souci. Et je rentre, j'avais 61, il fallait que j'achète une voiture. Et ben, j'ai acheté une Dauphine d'occasion, 300 000 anciens francs, donc 3 000 francs nouveaux, avec un crédit. Et à cette époque-là, j'avais vu une Bugatti 35 garantie au coin de la rue, mais enfin quand même authentique. Et cet esprit-là, alors on n'empruntait pas pour acheter une Bugatti. Ouais, j'adore Bugatti l'expression. 35, c'est Bugatti garantie au coin de la rue. Ouais. Je trouve ça assez une Bugatti 35, c'est une voiture de course. C'est une voiture de course mythique qui a été tellement appréciée qu'on en reconstruit. Oui, il y en a plus qui roulent aujourd'hui qu'il y en a eu de fabriqués à l'époque. On est presque à ce stade-là. Ouais. Alors, les collectionneurs n'aiment pas parler d'argent, même moi j'aime pas parler d'argent quand je parle de voiture, mais là quand même, vous nous disiez 3 000 francs anciens, et ça vaut aujourd'hui, on dépasse le million d'euros pour une Bugatti 35. Il faut pas fantasmer avec ces histoires-là, et ça dépend de la voiture, de son historique, du palmarès éventuellement, et les voitures avec un très bon historique et un palmarès ne se vendent pas forcément très facilement. Mais c'est là où on est dans des domaines supérieurs aux millions de dollars ou aux millions d'euros. Dans ces voitures, au palmarès ou à l'histoire un peu incroyable, vous avez votre fameuse Type 38A qui a été livrée au Mozambique, normalement. Oui, alors c'est une voiture qui a été livrée neuve au Mozambique. On a sa trace depuis l'époque dans les cahiers Bugatti, tout était noté à la main par un monsieur qui s'appelait Pracht, P-R-A-C-H-T, et il notait au crayon le numéro de châssis, le type de carrosserie et à qui elle était livrée. Et donc c'est dans les registres de l'époque de monsieur Pracht, il y a Bugatti type 38A, il n'y en a eu que 52 construites. Allez sur la page Facebook de Sud Radio, merci à Bastien. Et il y en a eu seulement 52 construites, et celle-là est partie au Mozambique, achetée par un monsieur, le docteur Janeiro, Polana Hotel, Mozambique. Mm-hmm. Portugaisiste africain. C'était encore une colonie portugaise. On va l'acheter quand? Alors, si on aurait su 1 minute 30, il faut qu'on accélère. Oui, celle-là est revenue en Afrique du Sud, où il y avait un collectionneur qui l'avait identifié avant la guerre. Et vous l'avez récupérée quand? Et je l'ai rachetée. Elle est revenue en Europe et je l'ai rachetée il y a 10 ans. Donc, c'était. Et vous avez dû la refaire entièrement?
Je l'ai démontée entièrement. Elle était roulante, mais j'adore. Je l'ai démontée entièrement parce qu'une voiture roulante de l'époque était en panne tous les jours. Oui. Et on trouve les pièces de Bugatti. On trouve les pièces, on fabrique, on trouve. Là, c'est des pièces d'usure, donc c'est on met de la pièce neuve. Combien de temps à refaire vos Bugatti? Oh, celle-là, j'ai été assez vite, c'est moins de 5 ans. Ah oui, parce que la première, ça m'a pris 20 ans. Oui. Ah, c'est génial. Oui. Et vous avez aussi une 55. Alors, moi, c'est un modèle que j'ai. La 55, c'est un modèle rarissime. Ouais. Il y en a eu 38 construites. Ouais. Elles sont toutes assez bien référencées et connues. Et j'ai eu la chance de pouvoir racheter une carrosserie d'époque qui ne plaisait pas aux Américains. Parce que ces voitures partaient beaucoup aux États-Unis. Et les Américains ne voulaient pas de cette carrosserie, qui est une carrosserie spéciale en un exemplaire, faite par Pritchard Desmolin, qui est un carrossier qui est aux environs d'Anvers, en Belgique. Mm-hmm. Et elle était démontée et jamais utilisée. Et les Américains ont fait 3 exemplaires authentiques à partir du châssis qui était resté aux États-Unis. Donc toutes les histoires sont des histoires invraisemblables. Ah oui, on pourrait largement y passer la journée. Et ça continue. Et vous allez rouler là ce week-end, demain en tout cas, ou cet après-midi? Non, j'ai roulé ces jours-ci. Les 800 km. Ouais. Les 800 km. Mes amis sont maintenant au circuit des remparts. Qu'on va rejoindre dans quelques instants sur Sud Radio. Et c'est très intéressant de savoir que nous avons des jeunes, parce que les voitures d'avant-guerre, en général, il n'y a pas trop de suivi par des jeunes générations. Alors que nous avons parmi les participants un Alexandre qui a 2 ans, par exemple, qui est il a pas son permis encore. Il conduit pas encore. Ben, en tout cas, merci. Et puis son papa. Et puis voilà, il y a toutes les générations. L'ami Jean-Luc, on va le réinviter. Oui, Philippe. Vous habitez pas très loin. Des histoires à raconter. On va vous demander de revenir. Et puis vous parlez d'Herlay aussi. Hein. Oui, c'est vous. En 60, j'ai acheté une plus d'histoires extraordinaires avec Bugatti. Parce qu'avant-hier soir, on dînait côte à côte avec un des membres actifs du club. Et on a 250 membres quand même. Et il me racontait des histoires inconnues qu'il avait vécu lui-même, et que c'est un garçonnet de 41 ans. Un garçonnet de 41 ans. Merci beaucoup, Philippe Jaillon. Merci aussi à madame qui vous a accompagné. Vous êtes venu de l'Essonne, du fin fond de l'Essonne, où on écoute Sud Radio sur le 99.9. Merci d'avoir partagé avec nous votre passion. Bougez pas trop, Philippe, on va prendre le temps de la pause, comme ça nous on va continuer un peu à discuter pendant la pub. Voilà, puis après on va aller à Angoulême, et vous pourrez prendre la parole, parce qu'à Angoulême, il y a aussi des Bugatti qui ont roulé. Puisqu'on va parler du circuit des remparts. Et voilà. Voilà. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous arrivons dans le dernier quart d'heure de notre rendez-vous, et vous l'avez entendu, compris, notre invité Philippe Jaillon est resté parler avec l'ami Jean-Luc, deux passionnés de voitures qui se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? On parle auto, dure jusqu'en 2025. Mais on va tout de suite, puisque ce sont les journées du patrimoine, aller se promener aussi sur le circuit des remparts d'Angoulême, et pas que pour le patrimoine, mais pour la 51e édition du circuit. Bonjour Jean-Marc Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Luc. Bon Jean-Marc, ça a commencé hier, ouais. 51e édition. Ça a commencé en quelle année le circuit des remparts? Alors le circuit des remparts date de 1939. Et donc on est à la 51e édition. Il y a eu 5 éditions entre 39 et 55. Et sera apparu sous la forme de rétrospective en 78. C'est très bien, très bonne idée. Alors pourquoi ça s'appelle le circuit des remparts? Parce qu'il y a des remparts. Ah oui, non, mais je sais qu'il y a des remparts à Angoulême. C'est un circuit qui est tracé sur les remparts, qui fait 1273 mètres. Les remparts, le circuit est inchangé depuis 1939. Et donc, ça n'a pas bougé d'un iota. Et même les façades d'immeubles, la cathédrale, rien n'a changé. Une très belle balade, hein, le centre d'Angoulême. On n'y pense pas, mais c'est très très beau là, sur le vieux Angoulême, c'est très chouette. D'accord. Il n'y a pas que de la BD là-bas. Donc ça a commencé hier, ça finit demain soir. Racontez-nous, alors hier soir, on a même quelques belles images. Il y avait un concours d'élégance qui était organisé. J'ai vu, il y a quelques belles autos. Il n'y avait pas de Bugatti d'ailleurs, tiens. Non, il n'y avait pas de Bugatti, mais les Bugatti, il y en a beaucoup aujourd'hui sur le rallye. Là, je vous parle, je suis en direct de la base aérienne à Cognac, la base aérienne 709 qui nous accueille et qui nous a ouvert ses portes à tous les concurrents du rallye. Enfin, vous dites du rallye, il y a 5 rallyes différents, c'est ce que j'ai lu sur le programme. Voilà, mais j'en ai 3 qui viennent sur la base aérienne. Et derrière, j'ai des avions qui tournent, vous risquez de les entendre.
Voilà. Il y a même un rallye, alors j'ai vu ça, réservé aux doyennes jusqu'à 1914. Il y a beaucoup de véhicules d'avant 1914 qui roulent toujours. C'est ça qui m'étonne, moi. Il faut qu'il y ait des voitures d'avant 1914 qui roulent, parce que c'est quand même notre ADN. Et donc, nous, on a créé une catégorie pour les véhicules d'avant 1914, avec un rallye adapté, avec des parcours pas trop longs et de la fluidité pour que les voitures n'aient pas de problèmes mécaniques sur le parcours. D'accord. Bon, je disais donc hier soir, concours d'élégance. Ouais. Voilà. Alors, on vous a manqué, j'imagine, avec Laurence. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça qu'on n'était pas là. On juge les voitures, mais on juge aussi l'équipage. Voilà, on juge l'équipage. Les voitures jugées, ça va être aujourd'hui par le concours d'État. Mais le concours d'élégance, c'est une présentation des voitures avec des couples en général, où il y a même des enfants qui sont costumés par rapport à l'âge de la voiture. Et c'était une soirée en nocturne, donc c'était très sympathique. Quel véhicule a remporté le concours d'élégance? Enfin, quel équipage? Il y a une très belle Delage qui nous vient de Clermont-Ferrand, une D8S. Donc, qui est juste sortie de restauration, qui était une voiture qui a été acquise à la vente Bayon, la célèbre vente qui a eu en 2015. Oui. Et donc, c'est une des premières voitures de la vente Bayon qui a été entièrement restaurée et que nous avons le plaisir de présenter ce week-end. D'accord. Puis, il y avait Jean-Pierre Gagic aussi que j'ai vu sur les images. Il a participé, il était tout seul, lui, comme équipage, à bord d'une MG, c'est ça? C'était une Austin 7. D'accord. Voilà, il a fait un petit défilé avec Austin 7. Et puis il est là tout le week-end avec nous, voilà. On a les images là sur. On a quelques images du concours d'élégance hier soir. Sur la page Facebook de Sud Radio. Voilà. Aujourd'hui, c'est les rallyes toute la journée. Voilà, c'est ça. On a fait 5 rallyes. Donc un rallye, le rallye des légendes, donc pour le rallye des doyennes pour les voitures d'avant 1914. Ensuite un rallye pour les voitures d'avant 1959. Là on retrouve pas mal de voitures d'avant-guerre. Donc c'est un rallye où il y a environ 70 voitures et ensuite on a un rallye pour des voitures plus contemporaines, à partir de 1960 et là vous avez 200 voitures. Ensuite nous avons un rallye pour les clubs de Charente que nous organisons sur une autre partie du département et ensuite nous avons organisé un rallye aussi pour les ballots. Puisque c'est la marque Ballot, c'est pas pour les ballots qui se trimballent comme ça, les mains dans les poches. Et il y a même d'ailleurs une exposition dans les jardins de l'hôtel de ville de cette marque qui est un petit peu oubliée des Français. Alors cette marque est oubliée des Français, mais elle a porté haut les couleurs de la France jusqu'en 1929, date où elle a été absorbée par Hispano Suiza. Mais Ernest Ballot est né à Angoulême et il est inhumé à Angoulême et on a découvert ça il y a très peu de temps et voilà, on a décidé de lui rendre hommage parce qu'il a quand même porté haut les couleurs de la France. Il a gagné notamment à Indianapolis, il a gagné avec ses voitures le Grand Prix d'Italie en 1921 et c'était un formidable team à l'époque. Il a bien fait de pas naître à Paris parce que sinon il n'aurait jamais été dans les jardins de l'hôtel de ville l'exposition. Non, c'est bien qu'il y ait une ville encore en France qui depuis 1939 accepte tous les ans une manifestation comme celle-là. Et en plus, demain, là pour le coup, il y aura des voitures de course qui vont tourner sur le circuit. Et des Bugatti, on a un plateau exceptionnel qui est tout chaque année, qui est réservé uniquement aux Bugatti. Et Marc Nicolosi qui avait relancé Rétromobile et qui avait relancé aussi les remparts en 1978. Oui. Et venait chaque année au rempart et avec sa Bugatti et ses compères de parisiens. Et donc le plateau portera le nom de Marc Nicolosi en hommage à Marc qui nous a quittés il y a 3 ans. Angoulême est là aussi la capitale des Bugatti Grand Prix. Le Grand Prix Bugatti qui va fêter son centenaire l'année prochaine. D'accord. C'est payant, c'est quoi? Comment on fait pour y aller? C'est quoi les horaires? Côté pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les courses sont de 8h à 18h. L'accès dans le paddock et autour du circuit est à 30€. Mais à côté de ça, si vous voulez venir passer une journée sans autant débourser les 30€, il y a des expositions de voitures partout dans la ville, des expositions dans les musées,
puisque en plus ce sont les journées du patrimoine, les musées sont en accès libre et sont gratuits. Donc il y a de quoi, passer une bonne journée à Angoulême demain voilà. Même cet après-midi. Il n'est que 12h50 pour tous ceux qui habitent la Charente et la Charente-Maritime et tout à côté. Il y a pas mal de choses. Petite intervention de notre invité Philippe Jaillon. Rapprochez-vous du micro. Vous avez roulé déjà. Je sens que vous voulez dire des choses. Vous avez roulé sur le circuit des remparts. Je suis allé plusieurs années, même souvent, très souvent. Pas cette année exceptionnellement. Par obligation familiale, mais je transmets mes bonnes amitiés à M. Lafont, que j'aime bien, on se connaît bien. Chaque année, avec plaisir, on t'accueille avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre. Super, merci Jean-Marc. Par onde radio interposée, ce grand événement toujours aussi beau. Hein. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui fassent vivre. Oui, en plus, il va faire beau. Il fait pas mal. Et Laurence et Jean-Luc, on vous attend l'année prochaine. On espère, tous les ans, on aimerait. Mais peut-être qu'un jour, on y arrivera. Oui, on va y arriver. Mais en même temps, on a une solution. On va peut-être la mettre en place, on verra. Merci beaucoup. Allez, à suivre pour conclure notre rendez-vous. Vous le savez, vous êtes nos co-animateurs et vous avez le droit de poser vos questions. Et vous êtes attendu au 0826 300 300, ou par mail, jeparticipe@sudradio.fr. Et je te propose tout de suite d'écouter la question de Philippe. On y va comme ça ? Sud Radio, on parle auto. Eh ben voilà, on y va comme ça. Philippe nous a envoyé un mail sur jeparticipe@sudradio.fr. Je me suis un peu levé à 4h du matin, je suis un peu décalé aujourd'hui. Qui dit, j'aimerais avoir votre avis sur deux véhicules. Je lis son mail avec vous en direct. J'envisage d'acheter une auto d'occasion économe niveau budget carburant. J'hésite entre deux autos citadines polyvalentes. La Ford Fiesta Flex Fuel 95 chevaux en EI85 ou la Clio 500 chevaux GPL. Difficile à mon niveau de départager ces deux autos. J'aimerais avoir votre avis sur l'agrément de conduite, la vie à bord, le confort, la fiabilité. Quelle est pour vous la meilleure des deux, monsieur Jean-Luc ? Alors, il n'a pas mauvais goût, Philippe, parce que c'est deux excellentes voitures. Voilà. Dans leur catégorie, pour moi, c'est même les deux meilleures. En parlant budget carburant, c'est-à-dire qu'il y en a une qui roule au GPL, carburant qui coûte 99 centimes en ce moment, et une qui roule au super éthanol 85 qui doit être aux alentours d'un euro en moyenne. D'accord. Donc on voit bien que le budget carburant, il va pratiquement être divisé par deux par rapport à un véhicule essence, en sachant que les deux peuvent rouler à l'essence. Hein, la Clio, elle a deux réservoirs. Ça, d'ailleurs, c'est ce qui va amener le seul vrai défaut de la voiture, c'est que le réservoir de GPL empiète un peu sur le coffre. Donc on a un coffre qui passe de 340 à 293 litres, un petit peu plus petit. Mais comme on a deux réservoirs de carburant, un réservoir d'essence et un réservoir de GPL, on peut rouler très loin. La Fiesta, alors les deux en agrément de conduite, c'est à peu près la même chose. D'un côté, on a le 1 litre TCE Renault qui a un excellent moteur. Il fait 100 chevaux, c'est largement suffisant pour une petite voiture. Et de l'autre, on a le moteur EcoBoost 1 litre également Ford, qui est aussi un petit 3 cylindres aussi, et qui marche très bien. Il fait 95 chevaux. Donc en termes de performance, en termes d'agrément de conduite, c'est à peu près pareil, si ce n'est que la Ford a peut-être une boîte qui tire un peu long. Donc si vous devez faire de la ville, ça sera peut-être un peu moins bien. Alors, donc deux choix. Il doit se dire, mais alors laquelle je vais prendre ? Parce qu'il est en train de me dire que les deux sont bien. Si vous faites plus de route, je vous conseille la Fiesta. Et si vous faites plus d'agglomération, je vous conseille plus la Renault. Après, le budget carburant pour les deux, ça sera 6,6 euros environ pour la Fiesta aux 100 km. Et ça sera 8,2 euros, un petit peu plus cher aux 100 km pour la Renault Clio. Voilà. Donc le choix, pour moi, en termes de budget carburant, agrément de conduite, c'est à peu près pareil. Il y en a une qui sera plus citadine dans l'usage, c'est la Clio, et l'autre qui sera plus pour la route, c'est la Fiesta. Bon, très bien. En fonction de la façon dont il utilise son véhicule, ce sera ou l'une ou l'autre. De toute façon, il ne se trompera pas dans un cas comme dans l'autre. Comme ça, bonne question. Vous aviez le choix, vous l'avez toujours. Non, mais je vous taquine la mise en ligne. il avait le choix, mais il n'a pas précisé ce qu'il faisait comme type de parcours. Exactement. Aujourd'hui, on doit choisir. Exactement. Non, la question qu'on doit poser, ça je le dis pour ceux qui vont poser des questions, c'est pas qu'est-ce que je dois prendre comme voiture, c'est je fais tel type de trajet, je fais tel type de parcours,
qu'est-ce qui est le plus adapté. Je vous bouscule un petit peu parce qu'on a des événements puisque c'est la journée du patrimoine. La visite du conservatoire et 5e bourse classique au conservatoire Citroën DS est à Aulnay-sous-Bois en ce moment, ce week-end. Visite du musée national de la voiture du château de Compiègne à Compiègne dans le département. Où vous verrez la première vraie voiture du monde. Waouh! La fête de l'automobile, c'est à La Ciotat, dans le département à côté de Marseille. 13 expositions de véhicules de 1921 à 1975 aux Archives nationales à Pierrefitte, dans le 9-3. Et concours d'élégance dans le cadre du circuit des remparts. Ça, c'était à Angoulême, mais on en a parlé. C'est bien. Merci pour ces rendez-vous. Alors, c'est pas le Fardier de Cugnot, la première vraie voiture. Non. On peut pas considérer ça comme une voiture. On fera une émission, on va parler de ça, tiens. Okay, on invitera le directeur du musée. Génial. J'ai à vous proposer aussi tous les rendez-vous, cet après-midi, évidemment, Invino avec Alain Marty à suivre. Mais surtout, et vous le savez, on a, à partir de 15h, Sud Radio Rugby avec François Trio qui sera avec nous et Alexandre Priat. Mais avant cela, il y aura le numérique pour tous de Vanessa Pérez. Et puis, Destin de femme à 14h de Justine Belair. Merci 4, à Bastien d'avoir réalisé 3, cette émission 2. Et à Manu d'avoir été au standard. Salut la mise en ligne. Kiss, kiss. Bisous. À samedi prochain.